Bien-aimés dans les Seigneurs, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. C'est par son amour que nous sommes là, c'est mardi. Bien-aimés, dans moins de 6 jours, c'est moi, d'octobre va terminer. Nous devons rendre grâce à Dieu, bien-aimés. Si nous sommes là, c'est par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, nous sommes mardi, comme vous le savez, lundi, mardi, mercredi, nous avons une partie des prédications et une partie, bien-aimée, des prières. Je vous invite, peuple de Dieu, de partager nos vidéos, bien-aimés, à nos frères et sœurs. Si vous constatez que votre frère n'est pas là, bien-aimé, ta sœur n'est pas là, bien-aimé, envoyez, bien-aimé, des liens afin de le permettre aussi de nous rejoindre à ce moment de prière. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Bien-aimé, dans quelques jours, 2021 va terminer. Comme, bien-aimé, le monde des ténèbres se prépare la fin de cette année 2021, nous, bien-aimés aussi les chrétiens, nous devons se préparer d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, pour terminer cette année dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Merci à vous tous pour votre présence. Bien-aimés, victoire de Dieu, Mamindongo, Thérèse Nzumbi, Archelaine Mapaka, Miguel, Arnaud, Irène, Élise Lula, Abigail Nzazi et Sœur Fifi Tantou. À vous tous, que le Seigneur de grâce vous bénisse. Bien-aimé, notre mission, bien-aimé, se déroule simultanément sur Facebook et YouTube. Donc, vous pouvez, bien-aimé, nous suivre sur Facebook ou bien sur YouTube. Pour ceux qui sont, bien-aimé, en ligne avec nous sur Facebook, c'est Katita Isabelle. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons confier ces moments entre les mains du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec nous du début jusqu'à la fin de ce programme. Que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, puisse nous guider, nous orienter du début jusqu'à la fin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé le souffle de vie gratuit. Seigneur, la Bible me dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir le retenir. Père, si nous sommes là, c'est par ta grâce. Seigneur, le souffle de vie gratuit, c'est ta grâce. Voilà pourquoi, notre Père, nous sommes venus devant toi pour te rendre grâce. Seigneur, entre tes belles et saintes mains, Jésus-Christ, je confie mes frères et sœurs. C'est toi, éternel notre Dieu, qui les guérit. Seigneur, ceux qui sont malades de ce moment seront miraculeusement guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, les problèmes vont quitter les corps de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la solution, Père éternel. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Acclamons les seigneurs des seigneurs. Acclamons le roi des rois, Jésus-Christ est vivant. Acclamons, bien-aimés, dans le Seigneur.
Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, bien-aimés, lundi, mardi et mercredi, bien-aimés, nous partageons ensemble avec vous la parole puissante, la parole révélée de l'Éternel. Alors, bien-aimés, les sous-thèmes que nous allons partager ensemble aujourd'hui, je l'ai intitulé « Comment cela se fera-t-il ?» Vraiment, bien-aimé, c'est une question. Moi aussi, bien-aimé, quand je méditais la parole de Dieu, vraiment, bien-aimé, je voulais comprendre dans la profondeur, bien-aimé, la question de cette femme. Comment cela se fera-t-il? Makambango eko sala mandenge nini? Yangwana bien-aimé. Likambango eko sala mandenge nini? Solution ango nako joango ndenge nini? Lobiko yango nako joango lolenge nini? Comment je vais retrouver, bien-aimé, ma santé? Comment je peux retrouver, bien-aimé, ton état initial? Vous savez, bien-aimé, dans le Seigneur, nous tous nous posons des questions quand nous avons des problèmes. Mais comment cela se fera-t-il? Comment je peux trouver une solution à ces problèmes? Pourquoi je suis... Moi, pourquoi seulement moi? Quand tu vois, bien-aimé, d'autres femmes ont des enfants, quand tu as des problèmes des enfants, tu te demandes, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi cette situation? Pourquoi je souffre de telle ou telle maladie? Bien-aimé dans le Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? C'est la question que, bien aimé, tout le monde se pose. Est-ce que moi, j'aurai vraiment la solution? Est-ce que bien aimé, tu poses beaucoup de questions? Mais, bien aimé, je vais dire à une personne ce soir, le Seigneur des armées, l'Éternel, le Créateur de ce monde, va te surprendre ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Zambe a consigné prendre un apôtre, alléluia. Tu as beaucoup de questions au fond de ton cœur. Tu te demandes, mais hey, comment moi j'aurai un permis? Ma situation sera régularisée? Comment? Bien-aimé, j'avais dit ça dimanche à l'église. Avant le 31 décembre, l'Éternel va te surprendre. L'Éternel te fera des choses que même toi-même tu n'y penses pas. Tu n'as même pas pensé à ça. Tu n'as même pas bien aimé dans le Seigneur, avait bien aimé la pensée de telle ou telle chose. Mais je vous l'ai dit, bien aimé, avant le 31 décembre 2021, le Seigneur Jésus-Christ te surprendra. L'Éternel, ton Dieu bien-aimé, fera une surprise, une bonne surprise pour toi. Bien-aimé, étant donné que nous posons beaucoup de questions, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Les jours de mon invitation, les jours de mon mariage, les jours de mon examen de permis, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Bien-aimés, nous nous posons beaucoup de questions. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimés, il y a un Dieu qui te connaît. Ma sœur, il y a un Dieu qui pense à toi. Et ça n'a jamais beaucoup à se penser pour nous, bien-aimés. Ton Dieu pense pour toi. Zambazo kanisa, bien-aimé, asalo makamba malamu pour toi, bien-aimé. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimés, prenons la parole du Seigneur
dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 34 et 37, il y a deux versets que nous allons partager ensemble avec vous ce soir. Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 34, virgule, verset 37. Luc chapitre 1, verset, merci beaucoup, Sœur Zenaba. Luc chapitre 1, 34, Kebak, 37, c'est bien. Merci, Sœur Abigail. 34, Kebak, 37, oui. Sœur Gisèle Maloum, Sœur Akshilen Mampaka. Sœur Irène sur Facebook, Sœur Bien-aimée, Victoire de Dieu. Bien-aimée, je vais lire verset 34. Vraiment, c'est très important. C'est là où il y a bien-aimé notre sous-thème d'aujourd'hui. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu comprends bien la parole de Dieu, bien-aimé, tu es erré, erreuse, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, vous connaissez très bien ici l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Bien-aimé, Marie était une femme vierge. Bien-aimé, était une femme qui n'a pas connu l'homme. Alors, je vais dire à une personne, à l'époque où Marie a reçu le message de Dieu, que l'ange lui a parlé de la part du Seigneur, il y avait aussi, bien-aimé, des vierges. Marie n'était pas la seule vierge. À cette époque-là, il y avait aussi d'autres femmes hein, vierges. Basi Moussoupe Bazalaki, ma vierge Bazalaki. Vous allez voir, bien-aimé, si vous commencez, bien-aimé, la lecture là, à partir du verset 30, la Bible dit, Marie, toi qui as trouvé grâce de la part du Seigneur. Bien-aimé, Marie a trouvé seulement grâce. Parce qu'il y avait aussi des femmes vierges à cette époque-là. Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait aussi d'autres femmes hein, vierges. Mais la Bible dit, toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moi, je m'étonne, bien-aimé, il y a d'autres églises qui prient Marie en disant que Marie, femme pleine de grâce. Non, Marie, bien-aimé, Marie n'avait pas pleine de grâce. La Bible dit, toi qui as trouvé. Ça dit, quand la Bible dit, tu as trouvé grâce, ça dit, tu es sélectionné. Par rapport aux autres femmes. Il y avait aussi des femmes vierges. Mais toi, la grâce t'a sélectionné. Alléluia. Bien-aimé, je dis à une personne, la grâce de Dieu va te sélectionner. La grâce de Dieu va te surprendre, ma soeur. La grâce de Dieu va te localiser, ma soeur, mon frère. La Bible est tellement claire. Hein? Toi qui as trouvé grâce, bien-aimé, Basi Moussoupe, ma vierge, à l'époque, là, était là. C'est pour cela, ma sœur, je vais te dire, ne comparez pas ta vie avec les autres. Toi, tu as une grâce de Dieu, bien-aimé. Ne comparez pas ta vie, mon frère. Pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi lui, il a réussi ça? Bien-aimé, ne comparez pas. La comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison, bien-aimé. Toi, tu as une grâce particulière de la part de Dieu, ma soeur, mon frère. La Bible est tellement claire en disant, Marie, toi, tu as trouvé grâce. Bien-aimé, je prie pour toi, ma soeur, Gloria, Victoire de Dieu, Papi Malungu, Mamie Ndongo, Thérèse Nzumbi, je prie pour vous que ce soir, que tu puisses trouver une grâce de la part de Dieu. Vous tous qui êtes en ligne maintenant, que vous nous suivez, je prie mon Dieu
la grâce que Marie a trouvée. Et que ce soir, mon frère, et que ce soir, ma soeur, tu puisses trouver une grâce de la part du Seigneur. Et que la grâce de Dieu puisse te localiser, ma soeur Abigail Zenaba Louise Kwanzambi. Que la grâce de Dieu est localisée ici, Kozali. Là où, bien-aimé, il y a ton problème, là où, bien-aimé, il y a la maladie, là où il y a des soucis de stérilité. Bien-aimé, là où il y a le célibat, que la grâce puisse te localiser. Lorsque l'ange est venu, bien-aimé, c'était l'ange Gabriel, parce que c'est l'ange Gabriel qui s'occupe des messages. Lorsque Dieu nous parle, bien-aimé, dans les visions, bien-aimé, dans les songes, bien-aimé, rêves, c'est l'ange Gabriel que Dieu envoie. C'est vraiment un archange, bien-aimé, que Dieu utilise pour nous envoyer un message quelconque. L'ange a bien dit, Marie, c'est toi qui as trouvé grâce. J'ai dit aujourd'hui, ma sœur, j'ai dit, mais bien-aimé, maintenant, ma sœur, mon frère, c'est toi qui as trouvé grâce de la part de Dieu. Il y a beaucoup de femmes à l'époque vierges, mais Marie a trouvé grâce. Il y a beaucoup de personnes. Bien-aimé, mais moi, je prie que ce soir, tu puisses, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, trouver grâce de la part du Seigneur. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, voilà ce qui s'est passé, bien-aimé. Vraiment, l'ange lui a annoncé, Marie, tu enfanteras un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il y régnera, le fils, il en régnera. Il sera appelé le fils de très haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. C'était l'annonce. L'ange était venu annoncer à Marie, tu seras enceinte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu me suffit. Bien-aimé, la grâce suffit. La grâce a localisé Marie. La grâce a localisé, bien-aimé, là où Marie s'est trouvée. Et la grâce a dit, toi, tu as trouvé grâce de la part de Dieu. Bien-aimé, David, a kekoboko la bibole, bien-aimé, na katina zamba. Bien-aimé, il était, bien-aimé, David avec ses troupeaux. David ne savait pas. Bien-aimé, ce jour-là va devenir le roi d'Israël. Il ne savait pas. Lui, il est parti, bien-aimé, seulement, paître les troupeaux de son père. Bien-aimé, David, il n'a pas même pas pensé qu'un jour, moi, je vais devenir roi. David, il n'a pas fait de calcul qu'un jour, moi, je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai, bien-aimé, ma situation sera régularisée, j'aurai mon permis, j'aurai bien-aimé, je serai guéri. Bien-aimé, le diabète va te quitter, la tension va te quitter, le cancer va quitter ton corps. Bien-aimé, cet homme ne savait absolument rien. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, a localisé David. Na katia zamba, la grâce à localiser David. Bien-aimé, je prie pour toi. Bien-aimé, que le Seigneur a salé l'autre. Bien-aimé, une chose de nouvelle dans ta vie. Les choses que tu n'as même pas pensé dans ta vie, que tu ne penses même pas dans ta vie. Toi, tu dis, c'est fini pour moi. Cette maladie amène à la mort. C'est fini pour moi. La guérison n'est pas possible. Mais moi, j'ai dit, bien-aimé, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, le Seigneur va te surprendre. Bien-aimé, le Seigneur va te surprendre et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, David est devenu roi. Bien-aimé, solo, yabadiboule David, nakatia zamba. Mais la grâce a localisé David nakati azama na ba solo bien-aimé yaba brebi a localisé David bien-aimé la grâce de Dieu est localisé situation na yo
Que ta situation, bien-aimé, soit localisée par la grâce de Dieu. Pourquoi tu pleures, mon frère? Pourquoi tu pleures, ma sœur? Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui agit. Tu as un Dieu qui connaît son temps pour agir dans ta vie. Nous avons un Dieu qui agit, bien-aimé, puissamment. Ta maladie, bien-aimé, c'est une maladie qui a un nom. Mais bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute maladie. Voilà pourquoi la Bible me dit, c'est lui qui guérit toute maladie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, lorsque Marie, l'ange l'a annoncé, tu enfanteras un fils. Bien-aimé, il sera appelé le fils du Très-Haut. Bien-aimé, quelle surprise! Quelle surprise, ma sœur! Tu es vierge. Tu ne connais pas un homme. Tu n'es pas mariée. Marie, à l'époque, là, était fiancée, bien-aimée, à Joseph. Et ils savent qu'étant donné qu'elle est fiancée, elle ne peut pas, bien-aimée, avoir l'enfant. C'était interdit. Bien-aimée, quelle grâce! Dieu l'a surpris. Marie, c'est toi qui naîtras un fils. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Oh, bien-aimé, je prie mon Seigneur ce soir. Que Dieu te surprend, bien-aimé, au nom de Jésus. Bien-aimé, Nzamba surprendre au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème, tu as une maladie, tu as des soucis. Que l'Éternel, bien-aimé, puisse te surprendre ce soir. Au nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur te voie, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur te réponde, bien-aimé, que ta réponse, bien-aimé, soit possible, soit rendue possible ce soir. Alléluia. C'est toi, Marie, que Dieu a choisi. Bien-aimé, aujourd'hui, Marie n'est pas là. Marie n'est pas là, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est Joël. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est Élisée Lula, Gisèle, bien-aimé, tout est grâce. Aujourd'hui, c'est Zenaba. Aujourd'hui, c'est Steve Nongala. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, vous savez, la grâce de Dieu, comme ma sainte Dong a dit, bien-aimé, la grâce de Dieu n'a pas de... Bien-aimé, la grâce de Dieu ne connaît pas les cours de mathématiques. La grâce de Dieu ne connaît pas, bien-aimé, le cours de trigonométrie, bien-aimé, algèbre, sur algèbre, bien-aimé. Oh, bien-aimé, trigo, oh, géométrie, non. Tu fais tes calculs. Bien-aimé, tes calculs ne sont pas, bien-aimé, les calculs de Dieu. Toi, tu dis, le mois prochain, je vais faire ça. Le mois de décembre, je vais faire ça. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu va te surprendre. Dieu te fera au-delà de tes calculs. Je prie au nom de Jésus-Christ. Dieu te donnera au-dessus de tes calculs. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Marie qui connaissait pas, bien-aimé, un homme, elle était vierge. Je vous ai dit, il y avait aussi d'autres vierges à l'époque. Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait aussi d'autres vierges à l'époque là. Mais bien-aimé, pourquoi l'ange bien-aimé était parti, bien-aimé, annoncer cette bonne nouvelle à Marie? C'était une grâce de Dieu. Grâce a localisé Marie. Bien-aimé, la grâce a élevé Marie, bien-aimé, dans le Seigneur. Je prie pour toi. Que la grâce du Seigneur te lève au nom de Jésus. Que bien-aimé, d'ici le 31 décembre, tu auras une bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu auras une bonne nouvelle pour toi, mon frère, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, vous savez, il y a des choses, ma kamsou, nzamba lobe la rabishoa. Na yo mokwe leke la rayo. En tout cas, c'est impossible
de telle et telle chose s'est réalisée. Mais il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Il y a des choses que Dieu, bien-aimé, fait dans ta vie. Toi-même, tu dis là, oh, ce qui nous a embêté, nous sommes en train de faire. Bien-aimé, toi-même, tu dis ma situation, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Alors, lorsque Marie a, bien-aimé, a entendu le message de Dieu, tu enfanteras un fils. Il sera appelé le Dieu très haut. Alors, bien aimé, là où maintenant, dans le verset 34, c'est là où, bien aimé, Marie a demandé. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Bien aimé, laisse-moi vous dire, ce n'est pas ton problème. Lorsque Dieu, bien-aimé, est l'auteur d'une vision, lorsque Dieu, bien-aimé, est responsable des messages, lui-même Dieu cherchera comment, bien-aimé, ce message va se réaliser. Bien-aimé, Dieu lui-même était l'auteur de ce message à Marie. Et Dieu lui-même, bien-aimé, sait comment cela se fera-t-il. Lui-même va réaliser que, bien aimé, les rêves, les visions, les songes puissent devenir la réalité. Ce n'est pas ton problème. Moi, bien aimé, ce n'est pas mon problème. Je sais que je vais me marier. Je sais que je vais avoir des enfants. Je sais que ma situation sera régularisée. Je sais que j'aurai mon permis. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis délivré. Ça ne me concerne pas. Comment cela se fera-t-il? Comme Dieu. Mais comme tu as trouvé grâce de la part de Dieu, Dieu lui-même fera que lui-même va préparer comment cela se fera-t-il. Alléluia. Ma soeur, tu te demandes comment cela se fera-t-il. Mon frère, tu te demandes comment cela se fera-t-il. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le problème de Dieu. Laisse ça à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse ça à Dieu. Ce n'est pas ton problème, mon frère et ma soeur. C'est le problème de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est, bien-aimé, le responsable de ce message. Alléluia, bien-aimé. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, ce n'est pas ton problème. Moi, je sais que Dieu va te surprendre. C'est que moi, je sais que Dieu va te surprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Moi, je sais que Dieu va te faire, bien-aimé, une chose, bien-aimé, agréable, et ce que ton cœur désire. Bien-aimé, il ne faut pas, bien-aimé, te demander comment cela se fera-t-il. Dieu, lorsque Dieu donne un message, bien-aimé, le même Dieu lui-même, bien-aimé, a des provisions pour ce message. Bien-aimé, comme l'évangéliste Olivier, bien-aimé, nous a aussi commenté ici. Bien-aimé, la Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais bien-aimé, celui qui fait croître, c'est Dieu. Seulement, bien-aimé, Paul a semé les légumes. Paul a semé la parole de Dieu. Paul a semé les haricots. Et bien-aimé, Apollos, lui, il est venu pour arroser. Mais si Dieu ne fait pas croître, rien ne se fera. C'est pour cela que je te dis, ma soeur, ce n'est pas tes calculs. Ce n'est pas tes calculs, mon frère, ma soeur. Dieu a des calculs plus importants que toi. Dieu a des surprises plus que c'est toi. Ce n'est pas parce que le matin tu te réveilles, tu vas au travail et à la fin du mois tu as ton salaire. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Il y a ce qui, bien-aimé, lobby, hein? Laisse-moi vous dire, bien-aimé, si nous prêchons, il y a ce qui meurt dans les hôpitaux. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas ton problème. Marie a dit, ange, dites-moi, comment cela se fera-t-il? Et puis, bien-aimé, Marie a ajouté, puisque je ne connais point d'homme. Et bien-aimé, comment cela se fera-t-il? Marie a ajouté plus loin, parce que je ne connais pas d'homme. L'Éternel n'a pas besoin que, bien-aimé, que tu puisses connaître ça. Ça, c'était le calcul des hommes.
Voilà, la Bible dit, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu penses, l'Éternel te fera, bien-aimé, au-delà de ce que tu penses. Vous savez, l'apôtre Paul, bien-aimé, l'apôtre, le roi Salomon, je pense qu'on va parler ça demain. Il a demandé à Dieu, Dieu l'a dit, hein, je vais te donner au-delà même, je vais te donner ce que tu n'as même pas demandé. Bien-aimé, je prie ce soir, mon Dieu, que tes Dieu te donne, mais bien-aimé, ce que tu n'as même pas demandé, que Dieu te donne, que Dieu te donne, bien-aimé, que Dieu te donne ça. En réalité, physiquement, nous connaissons, bien-aimé, tu ne peux pas avoir un enfant seul. La femme ne peut pas avoir, bien-aimé, un enfant seul. Il faut qu'il y ait, bien-aimé, l'homme et la femme. Maintenant, Marie a poussé ses raisons. Je n'ai jamais connu d'homme. Bien-aimé, je veux dire à une personne, ta situation ne sera pas comme les autres. Ta bénédiction ne sera pas comme la bénédiction de l'autre. Bien-aimé, ta bénédiction sera différente aux autres. Ta guérison sera différente aux autres, bien-aimé. Marie a fait des calculs pour avoir un enfant. Il faut bien aimer connaître l'homme. Mais non, bien aimer ta réponse, bien aimer ta bénédiction, ta délivrance et ta guérison ne sera pas comme les autres. Que tu connaisses l'homme ou pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a une surprise va faire pour toi. Bien aimer, les gens calculent pour les autres. Regardez cette femme-là, elle a 50 ans. Regardez cet homme-là, elle a 40 ans. Elle n'a pas d'enfant, il est célibataire. Bien-aimé, ce sont des calculs. Je vais dire à une personne qu'il ne faut plus calculer pour les autres. Calculer, bien-aimé, ne fais pas des calculs pour les autres parce que l'Éternel a dit, bien-aimé, je ferai ce que moi j'ai dit. Comment cela se fera-t-il? C'est la question que nous nous posons tous. Parce que Marie sait que pour avoir un enfant, il faut être à côté d'un homme. Bien-aimé, ton problème ne sera pas à côté d'un homme. Même si tu es seul, Dieu va agir. Dieu va agir, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, il y avait un homme dans la Bible. Vous connaissez la piscine de Bethsaïda, bien-aimé. Il y avait un homme, bien-aimé, était là pendant 38 ans. Bien-aimé, cet homme-là, 38 ans, il voyait comment les gens tombaient dans l'eau. Parce que la guérison était telle que lorsque l'ange descend dans l'eau, lorsque l'eau bouge, celui qui descend le premier, il est guéri. Bien-aimé, cet homme-là était bien-aimé handicapé. Il avait des problèmes, bien-aimé Namakolo, Abouka Namakolo, handicapé, bien-aimé. Bien-aimé, il était là pendant 38 ans. Il y regardait. Oh, lui, il est guéri. Gloire à Dieu. Il y regardait. Lui, il est guéri. Il y rentre dans sa maison. Il y regardait. Parce que la condition était telle qu'il faut entrer dans l'eau après que l'eau, bien-aimé, soit agitée. Mais lui, il a un problème de pied. Bien-aimé, il a un problème de pied. Qui peut l'aider? Parce que chacun pour soi, bien-aimé, qui peut l'aider pour bien-aimé plonger dans l'eau? Je veux dire à une personne, bien-aimé, ton problème, ta situation, bien-aimé, ne sera pas comme les autres. S'il y a ceux qui tombent dans l'eau, bien-aimé, ta guérison sera différente. Bien-aimé, ta bénédiction sera différente. Dieu va te bénir d'une manière différente aux autres. Toi, tu penses que comme lui, il a fait ça, il a réussi, moi aussi, je vais faire ça. Comme lui, il a fait ça, là, il a répondu, moi aussi, non, bien-aimé, ta situation sera différente. Ta réponse, bien-aimé, ta guérison sera différente. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, bien-aimé, un homme de 33 ans, Jésus de Nazareth, bien-aimé, est arrivé, bien-aimé, dans ses lieux. Jésus l'a vu. Jésus l'a demandé, messieurs, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai personne, bien-aimé, pour les jeter. Ton problème, ce n'est pas de tomber dans l'eau.
Bien-aimé, Jésus envoyait des gens. Jésus envoyait les anges pour tomber dans l'eau. Maintenant, lui-même, Jésus-Christ est venu à personne. Je vais dire à une personne, bien-aimé, si Dieu envoie des gens, mais Jésus, pour ton cas, viendra lui-même en personne. La Bible dit, Jésus est venu, Jésus l'a demandé, veux-tu être guéri? L'homme a répondu, je n'ai personne pour me jeter. Non, ma soeur, ton problème, tu ne tomberas pas de l'eau. Crois seulement, Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer, Jésus va te répondre. Jésus l'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, cet homme aussi s'est demandé, comment cela se fera-t-il? Mouto abane komi tuna, lo lengeni ningana kobika. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais être guéri? Comment est-ce que je vais être délivré? Bien-aimé, ton miracle sera différent des autres. Ta délivrance sera différente aux autres. S'il y a des gens qui tombent dans l'eau, toi tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus, prends ton lit et marche. Bien-aimé, aujourd'hui, on va se limiter ici. On va prier pendant les 20 minutes, bien-aimé. Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. On va continuer toujours sur ce sous-thème-là. Comment cela se fera-t-il? Que Dieu vous bénisse à travers cette prédication. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons bénir l'Éternel pour la bénédiction de sa parole ce soir. Je sais que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes bénis à travers cette parole. Bien-aimé, bénis ton Dieu pour cette parole qui nous a parlé. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, ma sœur. Il fait l'éque. Pour ton cas, le Seigneur va venir. Oui, il est déjà venu au nom de Jésus. Les bien-aimés, pour ton cas, ma sœur, Riffin, Jésus va venir lui-même. Et Jésus te dit, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Tu as trouvé la solution à ton problème. Tu es guéri. Tu es délivré. Dieu t'a visité au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, remercier le Seigneur pour cette prédication de ce soir. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, cet homme-là faisait des calculs. Je vais tomber dans l'eau. Demain, comme il n'y aura pas déjà de matin, moi, je vais tomber. Mais bien-aimé, ton miracle sera différent des autres. Voilà, il ne faut pas envier les autres, bien-aimé. Il ne faut pas envier les autres, car le Seigneur est capable de te faire, bien-aimé, ce qu'il a fait au-delà même. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, 15 minutes. Chacun va prier, bien-aimé, la façon dont, bien-aimé, la parole de Dieu t'a touché. Tu as des sujets personnels. Il y a des sujets de santé. Il y a des sujets de stérilité, de célibat, de maladies, de blocages, de freinages, de pauvreté. Il y a des sujets de maladies incurables. Bien-aimé, ta maladie a été déclarée incurable. Mais bien-aimé, tu te demandes comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, priez ton Dieu. Seigneur, j'ai besoin de miracles ce soir. Seigneur, fais-moi miracle. Bien-aimé, Nzamba visite à Saloma Kambasika. Priez pour ta famille. Priez pour tes projets. Priez pour la vie de tes enfants, pour ton travail. Bien-aimé, nous avons 15 minutes. Chacun va prier. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia, 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 gloire à Seigneur. Bien-aimés, prions tous ensemble, bien-aimés. Priez tous ensemble, bien-aimés. Nous avons 15 minutes, bien-aimés. Le Seigneur nous a parlé. Comment cela se fera-t-il? C'est aussi la question que, bien-aimés, tu te poses. C'est aussi la bien-aimés, tes préoccupations. Comment j'aurai la solution à ces problèmes? Comment ma famille? Comment ma situation? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas, bien-aimé, tes problèmes. Lorsque Dieu donne une vision,
Dieu a toujours une provision pour l'accomplissement des bien-aimés de cette vision. Bien-aimé, pour ton cas, bien-aimé, le Seigneur viendra lui-même. Il viendra lui-même comme il était venu, bien-aimé, avec cet homme 38 ans de maladie. Lève-toi et marche. Toi, tu ne plongeras pas dans l'eau, mais toi seulement, lève-toi, prends ton lit et marche, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, ta guérison sera différente des autres. Bien-aimé, ta délivrance sera différente des autres, bien-aimé. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Bien-aimé, si tu as la foi, bien-aimé, si tu as la foi, la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je crois à ta place, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, moi, je crois à ta... Bien-aimé, je crois que le miracle est possible au nom de Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel puisse faire, bien-aimé, une chose nouvelle dans ta vie. Bien-aimé, les choses nouvelles dans ta vie. Zamba Saloma Kamwasika. Zamba surprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, priez. Marie a trouvé grâce, bien-aimé. La grâce a localisé, bien-aimé, cette vierge femme. Je veux que ce soit que la grâce du Seigneur te localise. Que la grâce du Seigneur te localise au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de toi. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Oh, bien-aimé, que la grâce du Seigneur te localise là où tu es, bien-aimé. Que la grâce de Dieu localise ta situation. Que la grâce de Dieu localise ta santé. Que la grâce de Dieu localise ton mariage. Que la grâce de Dieu localise tes démarches administratives. Que la grâce de Dieu te localise dans tous les points, bien-aimé. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Fais-moi grâce. Oh Seigneur, pour mon cas, je veux voir ta main agir dans ma vie. Oh Seigneur, je me pose la question. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu m'as donné la réponse. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Seigneur, dans la vie de ton serviteur, il fait au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as répondu puissamment au nom de Jésus. Seigneur, tu as répondu puissamment au nom de Jésus. Seigneur, fais au-delà. Fais au-delà, Seigneur, dans la vie de ton serviteur, Rivière. Seigneur, visitez ton serviteur. Seigneur, salez-la au-delà, Seigneur, de ce qu'il a demandé. Tu as dit à Salomon, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Seigneur, agis dans la vie de ton peuple, mon Dieu. Agis puissamment, éternel, mon Père. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, tu as des inquiétudes. Toi aussi, tu te demandes, comment cela se fera-t-il? Est-ce que c'est possible? Une femme qui n'a pas connu l'homme peut avoir un enfant? Bien-aimé, ce que les hommes pensent. La Bible me dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Oh, bien-aimé, comment cela se fera-t-il? Dieu a dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, pour ta situation, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, pour ta santé, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, pour ta santé, rien n'est impossible. Bien-aimé, je prie, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, crois. Bien-aimé, crois, bien-aimé. Marie, bien-aimé, a demandé la question, bien-aimé, comment cela se fera-t-il? Moi, je n'ai jamais connu l'homme. Oh, bien-aimé, ton problème ne sera pas que tu puisses connaître l'homme, non. Bien-aimé, en réalité, pour avoir un enfant, la femme et l'homme. Mais ton problème, bien-aimé, ta situation, bien-aimé, ta guérison, bien-aimé, ta réponse, bien-aimé, ne viendra pas de la manière que toi tu penses, non. Dieu fera au-delà de ce que toi tu penses. Voilà, bien-aimé, attends les secours de Dieu. Il est là, notre Dieu. Il est là, notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, prions au nom de Jésus.
Bien-aimés, priez au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Priez, bien-aimés, dans le Seigneur. Priez, ma soeur. Priez, mon frère. Bien-aimés, priez toi-même. Oh Jésus, nous nous posons cette question. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai rien. Je n'ai même pas un euro dans mon compte. Mais comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes, bien-aimé. Notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu de multisystèmes. Bien-aimé, dans le néant, l'Éternel doit t'élever. Bien-aimé, Mère Fibotèque est-elle, bien-aimé, loin, bien-aimé. Oh, bah, tu vas bien, kana souka yambo, kana lodeba. Bien-aimé, Mère Fibotèque a tout perdu. Avait tout perdu, bien-aimé, Mère Fibotèque. Mère Fibotèque a perdu son grand-père Saoul. Mère Fibotèque a perdu son père Jonathan. Mère Fibotèque a perdu, bien-aimé, le honneur royal. Parce qu'il était dans le palais du roi. Il a tout perdu. Bien-aimé, il a tout perdu, bien-aimé. Bien-aimé, l'Odeba signifiait pour Mère Fibotèque désespoir. L'Odeba, bien-aimé, signifiait pour Mère Fibotèque j'ai tout perdu. Bien-aimé, je prie pour une personne qui croit qu'il a tout perdu. Bien-aimé, tu n'as pas tout perdu. Car le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, on viendra te chercher dans les feux forts. Tu es abandonné de tous. Mais le Seigneur, la grâce de Dieu, viendra te chercher là où tu es. La grâce de Dieu viendra te chercher là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur. La grâce, bien-aimé, ne ment pas. La grâce de mère n'est pas bien-aimée dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, la réponse viendra te chercher là où tu es. Bien-aimé, il y a un courrier, bien-aimé, qui viendra te chercher là où tu es, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Je prie, mon Dieu. Oh, bien-aimé, que la grâce du Seigneur te localise. Que la grâce du Seigneur localise, bien-aimé, ton problème, ta situation. Que la grâce du Seigneur te guérisse. Il a tout perdu, Mère Fibotèque. Bien-aimé, si tu as tout perdu, je prie pour toi aujourd'hui. Zambe apesa onyoso, asongi salawo yobungisa kina kombo na Yesu. Alléluia, alléluia. Tu as perdu la joie, ma soeur. Tu as perdu la joie. Mon frère, tu as perdu la joie. Tu n'as plus la joie de vivre. Oh, que l'Éternel te donne la joie, mon frère, ma soeur. C'est Dieu-là qui te donne la joie. Zamba peswe sengo. Asongi se sengo na motema na yo bien-aimé. Okutana na problème na vie et ça na yo pasi. On perdra un être cher. Et zangi se sengo ko vivre. Mais ce soir, je prie, mon Dieu, que la joie du Seigneur soit ton partage. Bien-aimé, les bon, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Il fait de la manière que bien-aimé, que lui-même a préparé dans ta vie. Bien-aimé, le jour où le Seigneur va te visiter, c'est un jour, bien-aimé, tu n'as même pas pensé. Tu n'as même pas préparé ça, mais le Seigneur t'a visité. Bien-aimé, le matin, Mère Fibotèque était à l'Odebar, désespoir. Le soir, Mère Fibotèque s'est trouvée à la bien-aimée au palais du roi. Oh, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimée dans le Seigneur. Le matin, c'était désespoir. Il était à l'Odebar. Mais le soir, bien-aimée dans le Seigneur. Mère Fibotèque au palais du roi, bien-aimée. Que Dieu te fasse grâce. Nous en bas s'y prendre, bien-aimée. Nous en bas s'y prendre, mon frère, ma soeur. Alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu qui pense à toi. Il est le Dieu qui a de bons projets pour toi. Il est le Dieu, bien-aimé, qui te bénit. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, il y a des surprises, bien-aimé.
sur les chemins de ta vie, il y a des surprises, bien-aimés. Les chemins de ta destinée, sur les chemins de ta destinée, il y a des surprises. Sur les chemins de ta vie, il y a des surprises, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu te fasse, bien-aimé. Que Dieu te fasse une surprise, bien-aimé. Que Dieu te fasse une surprise, bien-aimé. Que la maladie, bien-aimé, qui te dérange, bien-aimé, j'arrête la vie des maladies dans ton corps, au nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, il est vivant. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que le miracle du Seigneur soit ton partage, bien-aimé, dans le Seigneur. Que la délivrance du Seigneur soit ton partage, bien-aimé. Oh, soyez guéri miraculeusement au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas conjuguer, bien-aimé, la maladie au passé. Quand j'étais malade, bien-aimé, ça sera au passé. Le diabète sera conjugué au passé au nom de Jésus. Bien-aimé, les crises cardiaques conjuguées au passé au nom de Jésus. Les bien-aimés, les AVC conjugués au passé. Au passé au nom de Jésus. Car Dieu t'a guéri, bien-aimé, totalement tu es guéri. Totalement tu es délivré, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus, tu es là, mon Père. Visitez ce peuple ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Osonise, c'est mon ami Tema. Mitemo Zalaki Akosoka. Le cœur brisé. Seigneur, la Bible me dit, c'est toi qui penses, Seigneur, le cœur. Oh Jésus, je prie pour ton peuple, Seigneur. Agis puissamment, mon Père, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia, Jésus. Les consolateurs des âmes abattues, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu, Jésus. C'est toi, mon Dieu, alléluia. C'est toi qui es le consolateur des âmes abattues, Seigneur. Ma sœur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham, bien-aimé, était chez lui. La grâce l'a localisé. Bien-aimé, Abraham a saï dans Dakunaye. Bien-aimé, il était sous, bien-aimé, en sous de l'arbre, bien-aimé. Et mais la grâce l'a localisé. Grâce est localisée, Abraham. Oh, bien-aimé, que la grâce de Dieu localise ta maison au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu localise ton travail au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu localise, bien-aimé, dans le Seigneur, tes projets au nom de Jésus. Alléluia, 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 bien-aimé. Il est le Dieu de Dieu. Zamba salo différemment, bien-aimé. Asalelo d'une façon, bien-aimé, miraculeuse, bien-aimé. Toi, tu penses, bien-aimé, ah, Dieu, bien-aimé, pense plus que bien-aimé ce que tu penses. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, tu es capable. Tu es capable de faire, bien-aimé, tout ce que les autres font. Toi aussi, tu es capable avec Dieu. Tu es capable avec Dieu. Tu es capable avec Dieu, mon frère et ma soeur. Le Dieu qui a fait, que bien-aimé, nous en prions un Dieu. Bien-aimé, le Dieu qui a fermé. Bien-aimé, les lions étaient bien-aimés avec Daniel. 3 jours, bien-aimé, les lions ne mangeaient pas. Daniel est jeté face aux lions. Oh Jésus, tu es le Tout-Puissant, alléluia. Bien-aimé, les lions 3 jours n'ont pas mangé. Bien-aimé, ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion, bien-aimé. 3 bien-aimés, c'est plus rien. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Oh, bien-aimé, les lions fouillaient Daniel parce qu'il avait la grâce de Dieu. Bien-aimé, partout où tu mettras tes pieds, la grâce de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Tu marcheras avec la grâce de Dieu. Oh Jésus, les lions fuyaient Daniel parce qu'il avait la grâce de Dieu. Alléluia. Que tes ennemis soient loin de toi. Que tes ennemis, bien-aimés, seront toujours loin de toi.
Ceux qui te combattent, bien-aimé, les lions là, bien-aimé, seront loin de toi. Car, bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu, bien-aimé. L'apôtre Paul a dit, ta grâce me suffit. Ta grâce, mon Dieu, te suffit. Alléluia. Tes ennemis vont fuir loin de toi. Car les lions, bien-aimés, ont fui Daniel. Parce qu'il avait la grâce de Dieu. Bien-aimés, la grâce qui donne des enfants. Bien-aimés, je prie mon Dieu de te donner des enfants. Bien-aimés, que tu puisses récupérer tes enfants, bien-aimés. Tu as des enfants. Tu as des enfants dans ton ventre, ma soeur. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Que tes enfants, bien-aimés, puissent manifester physiquement. Oh, bien-aimé, récupérez, bien-aimé, tes enfants, tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, ce soir, récupérez ça. Tout ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, Mephibosheth a perdu, bien-aimé, il les a récupérés. Car le roi David a dit, je vais te donner, oh, bien-aimé, dans le Seigneur, tu demandes comment cela se fera-t-il, bien-aimé, même moi, je n'y connais pas comment cela se fera-t-il. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Je sais que Dieu va faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Même moi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais ce que moi, je sais, Dieu fera. Dieu fera dans ta vie. Bien-aimé, récupérez tout ce que tu as perdu. Tu as perdu la joie, tu as perdu l'amour, tu as perdu la santé, tu as perdu le travail, tu as perdu le mariage, tu as perdu les enfants, tu as perdu ton papier, tu as perdu ton permis, tu as perdu, bien-aimé, oh, bien-aimé, tout ce que tu as perdu. Je prie, bien-aimé, ce soir que tu puisses les récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tes ennemis seront loin de toi. Bien-aimé, n'aie pas peur des sorciers. Nous avons un Dieu qui est plus que le sorcier. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur avait donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de diriger le monde. Tu as le pouvoir de diriger les sorciers. Tu as le pouvoir de diriger les démons. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu, ma soeur. Tu as le pouvoir de Dieu, ma soeur. Tout ce que tu diras avec foi, ça va s'accomplir. Tout ce que tu vas déclarer avec foi, ça va s'accomplir. Car il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Gloire à Seigneur Jésus. Il est l'homme donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ma sœur, tu as le pouvoir quand tu es l'enfant de Dieu. Tu as le pouvoir au-dessus de la mort. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu peux dire la mort arrête, la mort va s'arrêter. Tu as le pouvoir au-dessus des démons, des sorciers, des magiciens. Tu as le pouvoir, bien-aimé, au-dessus des liens de famille. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir car tu es le fils. Tu es le fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Dieu, de Dieu. Bien-aimé, le fils du roi ne craint rien. Le fils du roi ne craint rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, tu es le fils de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. La victoire t'appartient au nom de Jésus. Gloire à Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu pour ces 20 minutes que nous avions prié ensemble et que Dieu soit loué. Bien-aimé, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. La Bible me dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Confiez ta maison entre les mains de Dieu. Fermez spirituellement ta maison. Appliquez le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Demandez la grâce, la protection divine dans ta maison. Que cette nuit soit une nuit bénite de la part du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions pour cette nuit. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Prions bien-aimés dans le Seigneur.
Alléluia. Priez, bien-aimé, dans le Seigneur. Fermez spirituellement ta maison. Tu as bien fait, tu as fermé ta maison à clé, c'est bien. Maintenant, fermez spirituellement ta maison. Que les démons, les sorciers, bien-aimés, ceux qui volent la nuit, ne puissent pas voir ta maison. Que ta maison soit protégée par le sang de Jésus. Que tes enfants, bien-aimés, dans les chambres, soient scellés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Gloire à Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous allons prier. Nous avons, bien-aimés, une conférence des familles. C'est samedi à l'église Camp de Dieu, Beauvais. Bien-aimés, samedi de 15h à 16h20. Nous, bien-aimés, nous vous demandons de prier, de soutenir ce programme pour la restauration des familles. Bien-aimés, priez que l'Éternel puisse manifester puissamment afin que nos familles soient restaurées. Priez pour l'homme de Dieu qui va nous enseigner, évangéliste Riffa, pasteur Joël. Bien-aimés, que ce programme puisse se manifester puissamment. Et nous allons encore prier, bien-aimés, soutenir nos frères et sœurs, bien-aimés, qui vont se marier ce dimanche, ce samedi, encore les 30. Bien-aimés, prions pour notre frère Paul. Priez, bien-aimés, pour notre sœur Rika. Bien-aimés, ils vont se marier ce samedi. Que l'Éternel puisse, bien-aimés, les protéger. Que leur mariage puisse, bien-aimés, puisse se dérouler sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus pour la conférence des familles. Et bien-aimés, pour le mariage de notre frère Paul et notre sœur Rika. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, nom de Dieu, je prie pour la conférence ce samedi de 15h à 16h20. Je confie ton serviteur, évangéliste Riffin, qui va nous parler de ta part. Seigneur, merci, car il est la bouche de l'Éternel, afin de nous communiquer, Seigneur, tes pensées. Nous voulons que nos familles soient restaurées ce samedi et dimanche. Seigneur, je prie pour le mariage de notre frère Paul et Sérica entre tes mains et saintes mains. Seigneur, que le mariage puisse dérouler dans la paix, dans la protection de Dieu. Seigneur, nous recommandons la bénédiction, Seigneur. Ce samedi entre tes mains et saintes mains, agis puissamment. Que ce couple, Seigneur, soit béni par toi ce samedi et les soirées sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait et nous allons confier notre programme de demain, mercredi, entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse encore nous parler puissamment pour notre vie chrétienne, pour la nourriture spirituelle de cette parole. Prions aussi pour l'homme de Dieu, pasteur Joël, qui nous a vraiment partagé cette parole, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse ainsi que sa famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Je bénis, Seigneur, notre programme de mercredi, l'enseignement et la prière entre tes belles et saintes mains. Seigneur, utilisez-nous puissamment, ô Jésus. Protégez et bénis ton serviteur qui nous partage, Seigneur, chaque jour ta parole de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, ainsi nous avons prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons acclamer notre Seigneur Jésus. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre programme. Bien-aimés, nous devons toujours élever, honorer notre Dieu. Bien-aimés, je le sais bien,
nous avons passé un moment agréable dans la présence de Dieu. Je sais bien, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous a visités puissamment à travers ce programme de ce soir. Gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Église Camp de Dieu Beauvais, comme nous venons de prier, bien-aimés, nous organisons une conférence des familles. Donc, journée des couples, journée des familles, c'est samedi, de 15h pile, s'il vous plaît, à 16h20. Nous vous invitons tous, bien-aimés, de participer à ce programme. Bien-aimés, la porte est ouverte pour toi, pour moi. Vous pouvez aussi, bien-aimés, inviter les autres personnes. Bien-aimés, vous êtes une famille. Même si vous êtes une femme, celle avec des enfants, venez, papa, venez, bien-aimés. Vraiment, nous serons bénis, bien-aimés, ce samedi, ainsi que pour restaurer, bien-aimés, nos familles. Venez nombreux, invitez, bien-aimés, d'autres familles. Et c'est l'évangéliste Riffin qui va nous prêcher samedi et dimanche. Parce qu'en fait, c'est les deux jours. Nous allons commencer samedi et nous allons terminer le dimanche parce que chaque dernier dimanche du mois, bien-aimés, il y a des programmes de famille dans notre église. Alors, nous vous invitons les samedis de 15h à 16h30. Vraiment, nous insistons sur le respect parce que 15h pile, bien-aimés, l'enseignement commence. Il y aura, bien-aimés, des débats, des questions. Alors, il y a un thème que nous allons parler ensemble avec vous, les conflits dans les familles. Nous allons enseigner les causes des conflits dans nos familles, les conséquences des conflits dans nos familles et les remèdes ou la solution. Bien-aimés, venez, c'est très important. Je vous ai toujours dit, bien-aimés, si vous ne vous présentez pas, bien-aimés, à ces programmes, ce n'est pas bien. Cherchez vraiment à faire ce samedi un samedi spécial pour ta famille. Le même samedi, bien-aimés, de 17h30 à 19h, nous avons une cérémonie, bien-aimés, de bénédiction nuptiale ou bénédiction de mariage. Notre bien-aimé Paul et sœur Erika, bien-aimés, vont se marier. C'est samedi, la cérémonie de la bénédiction va dérouler de 17h30 à 19h. La bénédiction va se dérouler à la salle, bien-aimés, dans la ville de Beaumont-sur-Loise, dans l'Île-de-France, à côté de Persan-Beaumont. Donc, dès que nous terminons la conférence ici, nous allons aller vite à la salle pour... Bien-aimés, continuez ces programmes. Donc, nous vous demandons, si vous êtes disposés de nous accompagner, bien-aimés, nous serons là. Si le programme de famille termine, token de Malamoko, na salle, na Beaumont-sur-Loise, pour la cérémonie, il y a bénédiction. Vraiment, bien-aimés, c'est très important qu'on bat les âmes à la moumine. N'est-ce pas que nous et que tout ça va bien passer par la grâce de Dieu. Nous sommes à la fin de notre programme. Que le bon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain. Soyez présents toujours de 21h, bien-aimés. Nous allons continuer demain. Comment cela se fera-t-il? Nous allons vraiment continuer, bien-aimés. C'est un enseignement qui va vraiment nous édifier, bénir nos familles et, bien-aimés, donner l'espoir, car Jésus a besoin de ça. Pour moi, je vous l'ai dit, bye bye.